6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 7h30, soyez les bienvenus dans ce mercredi, c'est Manu dans le 6-9. On va s'écouter Stromae dans 3 minutes. Il y aura aussi le nouveau Jason Derulo. Il y aura One Republic, vos hits préférés sont là, évidemment, comme chaque matin. Et juste après les infos, je vous parlerai d'une femme incroyable. La femme que j'ai appelée la femme au sang lapin. Qui est la femme au sang lapin? Je vous la fais découvrir juste après les infos. L'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, il est tombé 3 gouttes de pluie sale cette nuit. Résultat, les voitures sont toutes un peu couleur café au lait ce matin à Avignon. D'ici la mi-journée, le soleil va revenir dans des éclaircies avec un mistral proche des 70 km/h. Comptez 15 degrés au meilleur, déjà 11 degrés de relevé à Avignon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile. Zone de fond couverte à Avignon. Ils ont assuré, les sportifs français ont décroché 3 nouvelles médailles au JO hier en Russie. Chacun ses goûts, de l'or en snowboard cross, de l'argent en biathlon et du bronze en ski freestyle. Reste à prolonger le plaisir aujourd'hui avec peut-être un nouveau podium. Alexis Pinturo fait partie des favoris du slalom géant. Concernant le foot et la Ligue des Champions, le PSG a frappé un grand coup hier. Victoire 4-0 en Allemagne face au Bayer Leverkusen, match aller des 8e de finale. Zlatan a mis un doublé, rendez-vous dans 3 semaines à Paris pour valider la qualification. De forum au programme de ce mercredi. Revient forum emploi et formation pour commencer dans la galerie du centre commercial Avignon Nord. Que vous soyez étudiant à la recherche d'un job ou que vous ayez un projet de reconversion professionnelle, une dizaine d'entreprises ou encore centres de formation vous attendent dès 9h30 ce matin. Puis si vous arrivez de voyager à l'étranger, rendez-vous cet après-midi cette fois pour un autre forum, cette fois sur les séjours linguistiques. Du voyage scolaire au séjour longue durée en passant par les jobs ou des stages, vous aurez toutes les infos à ce forum qui se tient de 13 à 17h à l'ancienne caserne des pompiers rue Carretry à Avignon. Le film Énergie de la semaine dans les salles avignonnaises, Le Crocodile du Botswanga, une comédie de Fabrice Eboué dans laquelle il incarne un agent de footballeur en déplacement en Afrique. Il retrouve là-bas Thomas Njijol dans la peau d'un dictateur. Comme dans Casse Départ, les deux acteurs veulent faire rire tout en abordant des sujets sérieux. Après l'esclavage, il s'attaque ici aux dictatures et aux relations entre la France et l'Afrique. On peut juste voir une succession de gags avec des personnages jouant en couleur. Et c'est ce que j'avais dit sur Casse Départ. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que c'est une façon de traiter un sujet aussi douloureux? J'ai dit, oui, moi, c'est ma façon de le traiter d'abord parce que je suis comique. Donc moi, mon objectif, c'est faire rire les gens. Mais après ça, c'est à chacun de se documenter, d'aller chercher un peu plus loin parce que c'est juste une porte d'entrée pour beaucoup. Ça l'a été sur Casse Départ pour cette époque trouble de l'esclavage. Ça l'est aussi pour la France-Afrique. Il y a plein de références et truffées de références. Il y a un humour qu'on peut qualifier de trash, de noir à certains moments. Mais rien n'est gratuit. Il y a plein de trucs qui peuvent sembler super dur, mais j'ai rien inventé une fois de plus. Fabrice Eboué dans Le Crocodile du Botswanga à partir d'aujourd'hui au ciné. À voir aussi La Grande Aventure Lego, un film d'animation avec la voix de Tal dans la version française, ou encore le film Catastrophe Pompéi. Voilà pour vos infos. Merci de nous avoir choisis pour commencer cette journée, pour créer cette journée, parce qu'ensemble, chaque matin, on crée cette journée qui s'offre à nous. C'est mercredi, c'est le 19 février, on va s'écouter Stromae. Ça arrive pour vous dans 3 minutes, il y aura aussi le nouveau Jason Derulo, il y aura One Republic, vos hits préférés sont là. Tout ça, ça arrive avant 8h. Dans moins de 10 minutes, dans 5 minutes, juste après Stromae, le Super 06 est de retour. Il va y avoir un message. Ouais. Je dis souvent que les filles, vous avez des petits problèmes pour garder les secrets. Un message qui va nous rappeler que oui, vous avez un putain de problème pour garder les secrets, les filles. Le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, c'est dans 5 minutes. Tout le monde est là, comme chaque matin dans le studio. Mélanie, la première. Salut. Mourad est à la réalisation. Bonjour. Nico s'occupe du web. Ouais. Oriane du Standard n'est pas au Standard ce matin parce qu'elle est encore malade. Pendant encore quelques jours, elle va pas pouvoir venir, mais elle sera de retour après, bien évidemment. Et c'est Plam Plam qui la remplace au Standard. Bonjour. Plam Plam qui travaille à Énergie. C'est son vrai nom, hein, rappelons-le. Oui, enfin, jusqu'à hier, tu t'appelais Carole. Ensuite, hier, je me suis dit, t'as pas une tête à t'appeler Carole, t'as une tête à t'appeler Plam Plam. Ce qui est un compliment pour moi. Hein. Oui. C'est rare les gens que j'appelle. Alors, c'est très rare que j'appelle quelqu'un Plam Plam, c'est vraiment que j'aime beaucoup. Ah bon, parce que c'est pas évident comme ça. Hein. Tu fais bien de le préciser, quoi. Le nombre de gens qui rêvent de s'appeler Plam Plam. Ah bon. Il faut savoir que François Hollande lui-même voulait s'appeler Plam Plam. Il a vraiment une tête à s'appeler Plam Plam. Plam Plam est au Standard, vous pouvez nous appeler 0 870 42 48. Et on a même dit tout à l'heure, à 7h, on en avait parlé hier, on l'a pas fait. Ouais. Et on avait complètement oublié, on a dit que t'allais faire une rubrique, la rubrique à Plam Plam. Exact. Est-ce que tu as eu le temps de travailler un petit peu ta rubrique? Je suis dessus là, ouais.
Est-ce qu'on sait de quoi ça va parler? On a dit qu'à 8h30 t'allais faire une rubrique. Bah ouais, jardinage, hein. Oui. Jardinage? Mm-hmm. Non mais j'ai dit jardinage tout à l'heure, ça peut être autre chose, hein. Si t'as envie de parler de bijoux, parle de bijoux, hein. Non mais on va partir sur le jardinage, on va y aller. J'ai hâte de savoir ce que tu nous prépares. On peut rajouter un truc, est-ce qu'on peut faire jardinage et ski? Ça va être possible. La rubrique à plein plein, ce sera jardinage et ski, ce sera tout à l'heure à 8h30, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. En attendant tout ça, je me réjouis d'avance. Moi aussi, hein. Je vais vous parler de la femme au sang lapin. Ouais. C'est moi qui la surnomme comme ça. Écoutez, ça se passe au Japon, sur une île. Il y a l'île s'appelle Okunoshima. Et en fait, elle a une particularité, c'est qu'il y a des centaines, voire des milliers de lapins qui vivent sur cette île. Ouais. Pourquoi, comment, je sais pas. Mais elle est même appelée là-bas l'île aux lapins. C'est rempli de lapins partout. Et en fait, ils sont habitués aux humains. Mmh. C'est-à-dire qu'en général, quand tu vas voir un lapin, le lapin il se barre. Ouais, pas là. Et ben, là-bas, ils se barrent pas. D'accord. Ils arrivent, ils vont voir les humains, comme si c'était ton chien ou ton chat. Ok, apprivoisés. Ils sont quasiment apprivoisés, et ils vont voir les humains, et tu peux les nourrir. Ouais. Tu peux discuter avec eux. Et il y a une nana qui a fait une vidéo qui est incroyable. Elle est là, elle court dans la rue, ouais. Et derrière elle, t'as... Mais je crois qu'il y a des milliers de lapins. Oh. Mais c'est une scène surréaliste. Des milliers de lapins qui sautent derrière elle comme ça, qui sont hyper contents. C'est genre, hey, madame, hey, madame, franchement, vous êtes belle, madame. T'as c'est génial. Lapins, et elle est là, elle court derrière, et ils courent derrière elle comme ça, comme si c'était ses amis. La vidéo est géniale, on vous la met sur manudans69.com. Morale à réalisation. Franchement, un lapin, c'est mignon, deux lapins, c'est mignon, mais des centaines de lapins qui courent vers toi, ça fait film d'horreur. Eh ben non. Ah ouais? Ah non, franchement, en voyant ça, moi je me dis, putain, le lapin, c'est mon animal préféré. Oh, mais oui. Et parce que ça marche. C'est un peu comme les bébés pingouins. Ouais. C'est un peu rigolo comme ça quand ça marche. Ils ont des petites têtes les lapins. Oui. Franchement, Mélanie. Et on n'a jamais eu d'histoire de lapin méchant. Donc tu sais très bien qu'un lapin, quoi qu'il arrive, c'est mimi, quoi. Putain, mais tu sais quoi, tu dis la vérité. Donc même par centaines, c'est pas grave. On n'a jamais vu. Il n'y a jamais d'histoire. Genre, tu regardes le journal. J'ai le journal, je suis sûr que si j'ouvre le journal aujourd'hui, à aucun même moment, je vais voir un lapin braquer une banque. Tu vois? Voilà. Tu vois, non mais c'est vrai, il n'y a pas de serial killer lapin. Non. J'ouvre le journal, tu vois pas un témoignage. Ah bah écoutez, je n'aurais jamais imaginé que ce lapin puisse faire ça. J'étais son voisin depuis 4 ans. Et c'est un voisin de clapier, il était bien. C'est incroyable qu'il ait tourné comme ça. Bah non, ça n'arrive pas. Non. T'as raison. Les lapins sont l'avenir de l'homme. Allez voir la vidéo, la femme au sans lapin. C'est une vidéo incroyable. Ouais. Je vous la mets sur manudans69.com. 7h38. On est mercredi, c'est le 19 février, on démarre cette journée tous ensemble. Soyez les bienvenus parmi nous, c'est Stromae comme promis maintenant.